Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est le chapitre 13. Premier chant, Narada explique la disparition de Dhritarashtra. Ils vont sortir un nouveau Mahabharata, une super production de Bollywood. Ils ont mis tous les meilleurs acteurs de l'Inde. Ils disent que c'est le plus grand film que l'Inde a jamais fait. J'ai vu Garuda, il a annoncé ça. À voir, hein. J'espère qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi, hein, parce qu'ils sont capables. J'espère qu'il y a moins, ils vont faire Krishna bleu. Parce que quand c'est Krishna qui est joué par quelqu'un qui n'est pas bleu, ça manque vraiment quelque chose. Verset numéro 1. Suta uvacha, viduras tirtayatrayam, maitreyad atmano gatim, gadva gadastinapuram, taya vapta vivitsitam. Traduction. Suta dit, lorsque Vidura était en pèlerinage, il rencontra Maitreya avec qui il eut un échange spirituel. Immédiatement, il devint pleinement épanoui avec la connaissance divine sur le Seigneur Krishna et il atteignit la béatitude spirituelle. Puis il reprit la route d'Hastinapur. Commentaire. Selon Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, le 13e chapitre décrit l'arrivée de Vidura à Hastinapur, le renoncement au monde de Dhritarashtra sur l'instruction de Vidura et les enseignements de Narada pour apaiser la lamentation de Yudhishthir. Ceci afin d'introduire le couronnement de Parikshit sur 3 chapitres. Puis il sera expliqué comment Parikshit puni Kali. Vidura est une manifestation de Yamaraj, le demi-dieu de la mort. Il naquit de l'union du sage Vyasa et de la servante Ambika. Il devint donc le frère Shudra de Dhritarashtra et de Pandu, eux aussi engendrés par Vyasa pour la succession du trône. Un lien profond liait Vidura à Dhritarashtra. C'est pourquoi Vidura essaya de toujours guider favorablement Dhritarashtra. Aussi essaya-t-il de l'inciter à rendre justice aux Pandava. Mais ceci fut mal perçu par Duryodhana, qui le reprit avec insolence. En conséquence, Vidura partit en pèlerinage et reçut des instructions de Maitreya. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare Vanshakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukham Karuti Vachanam Pangom Nangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. C'est un très beau chapitre. Vidura retourne à Hastinapur. Et Yudhishthira Maharaj va l'accueillir avec un verset très célèbre que Chaitanya Mahaprabhu aimait citer pour glorifier les dévots de Krishna. Donc Vidura est parti en pèlerinage. Il a rencontré Maitreya. Comme on verra plus tard, ça sera développé dans le Bhagavatam, la rencontre de Vidura et Maitreya, dans le troisième chant, je pense. Vidura était un très grand Vaishnav. Il joue le rôle du sadhu dans le Mahabharata, où la plupart des autres sont des kshatriyas. Lui, il joue le rôle du Sudra, celui qui n'a pas eu de position, mais il a quand même une position. Il est dans une situation un petit peu ambiguë, parce qu'en même temps, il est le frère du roi, mais il a une position dégradée, selon... Parce que sa mère est Ambika. Il y avait Ambika et Ambalika. Toute l'histoire du Mahabharata. Ambika, Ambalika. C'est joli comme nom, non? Ambika, Ambalika. Et Dhritarashtra va renoncer au monde. Donc le début du Srimad Bhagavatam commence avec la fin du Mahabharata. Il commence le Srimad Bhagavatam en racontant, parce que là c'est après la guerre de Kurukshetra. C'est la fin du Mahabharata. Dhritarashtra va renoncer au monde. Dans les chapitres à venir, il va quitter son corps, c'est ça, non? Et les Pandavas remontent au monde spirituel. Ouais. C'est un style. Vyasadeva a commencé le Bhagavatam comme ça. On finit sur la fin. Il finit. C'est comme tout finit dès le début, tu te dis, ouais, comment ça se fait? L'habitude, c'est... Il prend l'histoire du Mahabharata, il prend la fin de l'histoire. Je me rappelle même, j'avais trouvé ça très très artistique de la part de Vyasadeva, au moment donné où Narada Muni est venu voir Vyasadeva, donc il lui a dit d'écrire le Srimad Bhagavatam, et donc dans quelques chapitres avant. Donc ensuite Vyasadeva, il est entré en méditation. Il a fait Ashman avec l'eau de la rivière. Il est entré en méditation comme ça et il a commencé à écrire le Bhagavatam. Et le premier verset qu'il a écrit, entre guillemets, en tant que Vyasadeva, parce que c'est un peu ambigu le Bhagavatam, qui est-ce qui écrit le début du Bhagavatam? Je me suis déjà posé cette question-là. Parce que le Bhagavatam est censé être écrit par Vyasadeva. Mais au début du Bhagavatam, Vyasadeva, il n'a pas encore reçu l'instruction d'écrire le Bhagavatam. Donc qui a écrit le début du Bhagavatam? On pourrait se demander. Parce que si c'est Vyasadeva, c'est bizarre, parce que c'est lui qui raconte son propre sa propre histoire, mais c'est possible aussi. Puisque tout vient d'en haut, tu vois, peut-être Vyasadeva, il a juste marqué. Enfin, c'est très mystérieux, le Srimad Bhagavatam. Mais, et à un moment donné, il dit, oh, je ne sais plus à quel endroit c'était, hein. Voilà. Donc il a médité. Et ensuite il a écrit un premier verset.
enfin, je vais pas chercher, sinon c'est long. Le premier verset que Vyasadeva a écrit, c'est, dans sa poésie, j'ai trouvé ça très merveilleux pour commencer un livre, il a écrit, alors j'essaie de bien de retransmettre la poésie, il a écrit, terrassé par un violent coup de masse dans sa colonne vertébrale, Duryodhana s'écroule à genoux sur le sol. C'est comme ça qu'il a commencé. Par les derniers instants de Duryodhana, qui périt sous la masse de Bhima, c'est ça ? Il a commencé. La colonne brisée par la masse de Bhima, Duryodhana s'écroule à genoux sur le sol. Là, tu sais que c'est la fin du Mahabharata. Parce que c'était Duryodhana qui a attisé toute cette histoire, quoi. Et là, il s'est fait terrasser. Il a commencé comme ça. Donc, c'était un style de Vyasadeva. En fait, c'est extrêmement riche comme manière de faire. Vyasadeva est un écrivain hors pair, pourrait-on dire. Parce qu'il a écrit le livre le plus sublime. Srimad Bhagavatam est considéré comme le livre suprême, le livre par excellence, à tous les niveaux. Et là, Narada Muni explique la disparition de Dhritarashtra. Mais c'est Sutta Goswami qui parle. Sutta est le fils de Rumarshan. Sutta est le fils de Rumarshan. Et c'est pour ça que Duryodhana, tout ce qu'il a fait a échoué. Parce que dès le début, il offensait les Vaishnavas tout le temps. Il offensait son oncle Vidura, à qui, selon tous les principes, il aurait dû respect, parce qu'il était plus âgé que lui, parce qu'il était un Vaishnava du plus haut niveau, parce qu'il était son oncle, parce qu'il était le frère du roi. Mais Duryodhana était tellement aveuglé par la fierté de sa propre personne qu'il ne pouvait rien voir de tout ça. Il ne pouvait pas réaliser la nature exaltée de Vidura. Parce que Vidura était humble. Et c'est ça qui confond les gens. C'est que les êtres les plus avancés sont aussi les plus humbles. Ça porte à confusion. Les gens ne peuvent pas imaginer souvent que les êtres les plus avancés sont les gens les plus humbles. Il faut déjà un certain niveau de compréhension pour imaginer que les êtres les plus élevés puissent être aussi les plus humbles. Vidura était très humble. Il avait toujours gardé cette position d'humilité depuis sa naissance. Et il l'a toujours gardé. C'est ça qui lui donnait sa force. Un Vaishnava, sa force, elle se trouve dans son humilité. Parce que l'humilité, c'est la protection suprême. Quand quelqu'un est humble, alors Krishna le protège. Il est humble parce qu'il ne fait pas d'effort pour se défendre lui-même, Vaishnava. Jamais il fait d'effort pour se défendre lui-même. Il ne fait pas d'effort non plus pour se mettre en avant. Il laisse faire Krishna. Si Krishna veut le mettre en avant, Krishna le met en avant. Si Krishna veut le défendre, Krishna veut le défendre. Et c'est ça qui fait sa force. C'est qu'il efface toute sa propre force. Il reste juste la force de Krishna. Il laisse Krishna faire. Donc Vidura était comme ça. Simplement, il donne des bons conseils. Si jamais tu veux bien... Il sait très bien, les Vaishnavas savent très bien les choses comme elles sont. Ils ne disent pas, fais ça parce que sinon il va t'arriver ça, puis t'es foutu. Il savait, il aurait pu dire ça. Mais bon, il s'adressait quand même à Dhritarashtra, qui était le roi. Donc il donnait juste des conseils. Et souvent les Vaishnavas font comme ça, ils donnent des conseils. Mais il vaut mieux suivre les conseils des Vaishnavas.
parce qu'ils savent bien de quoi ils parlent. Et en plus de ça, même s'ils se plantaient, Krishna va faire toujours en sorte quand même que ce qu'on dit les Vaishnavas, ça soit correct. Parce qu'il y a un principe, ce qu'un brahmana dit ne peut pas être faux. C'est un des règles, c'est une des règles que Krishna a mises. Ce qu'un brahmana dit, un vrai brahmana, pas un brahmana comme Sringi. Et pourtant, Krishna a maintenu quand même la parole de Sringi quand il a maudit Maharaj Parikshit. Par principe, des fois, Krishna aussi maintient des mauvaises paroles des brahmanas, mais pas toujours. Mais quelqu'un est un vrai brahmana, qu'il vit dans la véracité, son cœur est pur, dès qu'il va dire quelque chose, Krishna fera tout. Krishna est prêt à changer ses plans même pour que les paroles de son dévot soient toujours vraies. C'est pour ça qu'il a dit à Arjuna, « Oh Arjuna, déclare-le à haute voix, jamais mon dévot ne périra. » Il a préféré que ce soit Arjuna qui le dise, parce que lui-même, Krishna, des fois il dit des choses, mais il ne les fait pas. Si on regarde dans l'histoire de Krishna, hein, parfois il dit des choses, mais il ne fait pas toujours ce qu'il dit. Mais les Vaishnavas, quand ils disent quelque chose, ça arrive tout le temps. Par exemple, Krishna, quand il est parti à Mathura pour, à la demande de Kamsa, il a dit « Je reviendrai très bientôt ». Malheureusement, au bout de quelques jours, il n'était toujours pas là. Et comme il n'est pas revenu, malgré les nombreuses lettres, hein, parce qu'il faut comprendre que les habitants de Vraj, ils écrivaient à Krishna tous les jours. Ils envoyaient les lettres à Mathura. C'est pas très loin, hein. On peut y aller à pied de Vraj à Mathura. Une fois, je me suis demandé, mais pourquoi ils ne sont pas tout simplement étaient à Mathura, parce qu'il suffisait de dire, bon, bah, on va aller à Mathura chercher Krishna. Ou s'ils étaient vraiment si attachés que ça à Krishna, ils auraient pu dire, bon, bah, on laisse Vrindavan, on va tous habiter à Mathura maintenant. Puisque Krishna est parti à Mathura, on peut y aller aussi. C'est comme si on disait, bon, bah, on va aller à Rouen à pied. Un petit peu plus loin à distance, mais ce n'est pas si loin que ça. Ça va prendre quelques heures pour aller à Mathura. En tout cas, en rickshaw, ça ne prend même pas une heure, donc à pied, c'est vite fait. Mais il y avait quelque chose qui les empêchait de faire ça. C'est qu'ils ne pouvaient pas abandonner la terre de Vraj. Parce que c'est leur terre. Ils ne peuvent pas dépasser la limite de la terre de Vraj aussi. Et que ça ne les intéressait pas d'être dans le contexte de Mathura. Parce que c'est différent de leur cœur. Donc il fallait que Krishna revienne à Vraj. Mais ce n'était pas possible que tous aillent à Mathura. Ça n'allait pas dans le... Et à Mathura, Krishna est différent aussi. C'est le même Krishna, mais il joue pas la même personne. Si on pourrait dire comme ça. Il fait comme s'il était quelqu'un d'autre. Krishna est vrai simplement quand il est à Vraj. Quand il est à Mathura, déjà, il commence à jouer un autre rôle. Il est toujours Krishna, mais il fait semblant, entre guillemets. Il cache certaines choses. Il fait comme si de rien n'était. Par exemple, son cœur est brisé, mais il ne fait pas voir. Les Yadus n'ont pas conscience que le cœur de Krishna est brisé quand il est à Mathura. Ils ne savent pas. Il fait croire à Vasudeva et Devaki, tout va bien. Je suis très content d'être ici, de vous avoir retrouvé. Et à la fois, c'est vrai, il y a une partie de lui. Parce que Krishna n'est jamais faux. Dans le monde matériel, les gens sont faux. Ils cachent la vérité par quelque chose de faux. Krishna n'est pas comme ça. Tout ce qu'il fait est toujours vrai. Mais dans Krishna, il y a vrai, il y a plus vrai, et il y a le plus vrai. Comme il y a Krishna, Krishna est complet, Krishna il est plus complet, ou Krishna il est le plus complet. Ça,
les jongleries de Rupa Goswami. À Dwarka, Krishna est complet. À Mathura, Krishna est plus complet. Et à Vrindavan, Krishna est le plus complet. Donc Krishna est comme ça. Bien qu'il soit toujours Krishna. Il est quand même complet hein, quand il est à Dwarka. Mais même s'il est complet quand il est à Dwarka, il peut être plus complet quand il est à Mathura. Et il peut être le plus complet quand il est à Vrindavan. Rupa Goswami était un beau jongleur de paroles. Parce que Krishna est ambigu, il faut jongler obligatoirement pour parler de lui, non ? On ne peut pas parler de lui comme ça, directement. Il faut que l'ambiguïté soit toujours là. Et Krishna n'est toujours pas revenu. Un jour, Krishna a appelé Uddhava. À Mathura, il y a un être spécial qui s'appelle Uddhava. Il est très cher à Krishna, extrêmement cher à Krishna. Tel point que Krishna a dit un jour à Uddhava, il a dit « Oh Uddhava, ni même la déesse de la fortune, ni même Brahma, ni même mon frère Balaram, ni même moi-même me sommes aussi chers que tu m'es cher. » Difficile à tourner en français, mais... En gros, il lui a dit, tu m'es plus cher que Brahma, tu m'es plus cher que la déesse Lakshmi, tu m'es plus cher que mon propre frère Balaram, et tu m'es plus cher que moi-même. C'est ça la nature de l'amour que Krishna a pour Uddhava. Pour Krishna, Uddhava est plus important que lui-même. Il a plus d'affection pour Uddhava que pour lui-même. Même qu'il a plus d'affection pour Uddhava que pour Balaram. Étrange. Mais il a dit ça. S'il l'a dit, ça doit être vrai quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Balaram. Hein. Après, quand il a dit ça, il était à Mathura. Donc ça veut dire qu'il parle de Balaram en tant que Sankarshan aussi. Il n'a pas dit ça quand il était à Vrat. Parce que Krishna et Balaram, ils ont quand même une relation... Mais en fait, la relation de Krishna et Balaram est tellement spéciale qu'il peut dire ça même. Ça ne cassera rien, ça ne changera rien. Balaram n'est pas quelqu'un qui attache tellement d'importance aux paroles de Krishna, à ce que dit Krishna. Il a même dit dans le Brihad Bhagavatamrita, il dit, tu sais, il ne faut pas tellement croire ce que dit Krishna. Il faut mieux regarder ce qu'il fait. Parce que si tu crois ce qu'il dit, tu vas toujours être perplexe. Il a dit, on connaît le cœur d'une personne à la manière dont elle agit, pas aux paroles qu'elle prononce. C'est facile de prononcer des paroles. Les gens prononcent des paroles, mais regarde plutôt ce qu'ils font. C'est marrant, puisqu'il a dit ça justement dans ce même contexte, Balaram. Il a dit, tu vois par exemple Krishna, il n'arrête pas de dire qu'il va rentrer à Vraj, mais il n'est toujours pas rentré. Donc, écoute pas ses paroles, regarde plutôt ce qu'il fait. Et ce qu'il fait te montrera la réalité. La réalité est que ce qu'il est sans cœur, selon les dires de Baha. Puisque malgré que tous les habitants de Vraj souffrent séparés de lui, il dit toujours il va y aller, mais il n'y va pas. Donc, quelle est la réalité? Qu'il va y aller ou qu'il n'y va pas? La réalité est qu'il n'y va pas. Balaram a été à Vrindavan pour essayer d'apaiser les Vrajvasis. Et ensuite, il est revenu, il a supplié Krishna d'aller à Vrindavan. Krishna lui a dit, oui, très bientôt je vais y aller, je te promets. Mais il n'a pas été. Donc Balaram est devenu un petit peu, on va dire... déçu, il est devenu un petit peu déçu. Mais ça, c'était plus tard. Là, à Mathura, Krishna a appelé Uddhava, il lui a dit, écoute Uddhava, il faut que je te dise quelque chose. C'était sur la terrasse du palais de Mathura. On ne peut pas imaginer comment les palais de Mathura sont sublimes. Ça n'existe plus de nos jours, l'architecture comme ça. Même les plus grands chefs-d'œuvre d'architecture qu'on a sur notre planète aujourd'hui, c'est l'architecture du Kali Yuga. Il reste presque rien du Satya Yuga.
quelques endroits en Inde, il reste des palais du Satya Yuga, mais quand vous, c'est des pierres, quoi. Il n'y a plus de forme à ces pierres-là. Il n'y a plus de choses comme ça. Donc les palais de Mathura, quelque chose d'extraordinaire. C'était le soir, il y avait la lune, Krishna marchait, il faisait des allers-retours sur le toit. Et Uddhava, vous voyez que Krishna était perplexe, il voyait qu'il y avait quelque chose qui tracassait Krishna. Donc il a approché Krishna. Krishna lui a dit, écoute Uddhava, je dois te dire quelque chose. En fait, je suis là, mais je ne suis pas là. Tu me vois là devant toi, mais en fait, je ne suis pas là. Et là, Uddhava a commencé à essayer de comprendre ce que Krishna voulait lui dire. Krishna lui dit, en fait, ce que tu vois devant toi, c'est juste une carcasse vide. Mais moi, je ne suis pas ici. Tu vois juste ma carcasse. Mon cœur intérieur est resté à Vrindavan. Mais ma carcasse est venue à Mathura. Donc s'il te plaît, va à Vrindavan pour dire aux habitants de Vraj que bientôt je vais revenir. Et essaye de les consoler parce qu'ils sont devenus très tristes. Très tristes, ça veut dire qu'ils sont sur le point de quitter leur corps. Lorsque les habitants de Vraj ont vu Krishna partir, c'est sur le chemin, il y a une route qui va de Nandagram à Mathura. Quand on visite Nandagram, on peut aller sur cette route-là. Vous avez été ? Il y a un arbre là, c'est l'endroit où Krishna est parti. Très mauvais augure. Des fois les Vaishnavas ne vont pas visiter cet endroit parce qu'ils n'ont pas envie de visiter. On appelle cet endroit l'endroit où la foudre est tombée deux fois. Parce que normalement la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. C'est une tradition. C'est dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Parce que déjà, il y aurait très peu. Hein? Non, parce qu'une légende, par nature, elle n'est pas fondée. C'est une légende. Mais là, c'est un fait fondé. Que je veux dire, une connaissance traditionnelle, on va dire ça comme ça. C'est un savoir, une connaissance, que la foudre ne tombe jamais au même endroit, deux fois au même endroit, sauf à Nandagram. La foudre est tombée deux fois au même endroit. À cet endroit-là, la première fois quand Krishna est parti, la foudre est tombée à cet endroit-là. Vous savez, quand la foudre tombe quelque part, ça fait... ça déchire. Ça crée un déchirement et ça... et ça... comment on dit... quand la foudre tombe très près de nous, vous avez déjà vu la foudre tomber très près de vous dans votre vie? Notre cœur fait... je me rappelle une fois, j'étais là-haut, et c'était un soir tard, et la foudre est tombée. Je crois que c'est la fois de ma vie où j'ai été le plus proche de la foudre. Et l'éclat du tonnerre, je l'ai senti à l'intérieur de moi. Ça a bougé chaque cellule de mon corps, tu vois. Ça a fait comme si c'était tellement fort que... j'avais jamais eu un son qui était rentré aussi puissamment à l'intérieur de moi. Ça m'a bousculé chaque cellule, on peut dire. Donc, la première fois, la foudre est tombée à ce lieu, quand Krishna et Balaram sont partis pour Mathura. Et les habitants de Vrindavan, à ce moment-là, ils ont regardé leur vie partir sur le chemin. Parce que Krishna, pour eux, est plus cher que leur propre vie. Est plus précieux que leur vie. Donc quand Krishna part, il voit, c'est comme s'ils regardent leur vie qui s'en va. Et à partir de ce jour-là, ils sont restés
on va dire, ils sont pas morts. Ils sont pas morts, mais ils sont plus vivants non plus. Entre les deux. Parce que les symptômes de la mort ne sont pas pleinement manifestés en eux, mais les symptômes de la vie ont disparu. Donc c'est la lisière entre la vie et la mort. Comme il y a la lisière entre, on appelle tata, hein, entre l'énergie spirituelle et l'énergie matérielle, il y a le tatashta shakti, l'énergie marginale. Tata, le mot tata, ça décrit la frontière entre la berge et l'océan. C'est une ligne, on pourrait dire, infiniment fine. Un côté, c'est l'océan, l'autre côté, c'est la plage, par exemple. On appelle cette ligne-là tata, marginale, la ligne marginale. Donc, ils sont restés sur la limite entre la vie et la mort. Et ils ont continué à, je ne sais pas si on peut dire vivre, mais ils ont continué comme ça, jour après jour. Et la deuxième fois où la foudre est tombée, quand Nanda Maharaj est revenu, quelques jours plus tard, mais il est revenu tout seul. Il n'avait pas Krishna et Balaram. Donc on dit à cet endroit-là, la foudre est tombée deux fois. Et donc les habitants de Vrindavan, ils étaient comme ça. Ils survivaient, tant bien que mal. Ils essayaient de survivre, tant bien que mal. Mais ils ne savaient pas comment gérer cette réalité. Parce que pour eux, ce n'est pas gérable comme réalité que Krishna n'est pas là. Ils ne peuvent pas gérer cette expérience. Nous, on la gère très 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 bien. Dans le monde matériel, on gère très très bien le fait que Krishna n'est pas là. Non, on dit, quand Krishna n'est pas là, les souris dansent. C'est comme ça les âmes conditionnées. Krishna n'est pas là, pas de problème. Je gère la situation. Non? C'est comme ça. Quand Krishna n'est pas là, les âmes conditionnées sont contentes. Enfin, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Comme Prabhupada, un jour, il chantait comme ça sur son japa. Et après, à un moment donné, il a fini, il a posé son japa et il a dit, ah, voilà, j'ai fini mes tours, maintenant je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Et là, il s'est mis à rigoler. Maintenant, je vais pouvoir faire toutes les bêtises que je veux. C'est une manière d'enseigner en faisant l'inverse de la réalité. Et donc Nanda Maharaj, il était dans son palais, mais il ne pouvait plus supporter de vivre dans sa maison. Parce que Krishna et Balaram n'étaient plus là. Alors il sortait du palais, il sortait dehors pour plus rester dans le palais. Mais quand il sortait dehors, il voyait la rivière Yamuna, la colline Govardhan, les chemins d'ouvrage, et chaque chose lui rappelait Krishna. C'était parce que pour eux, c'est impossible d'oublier Krishna. Ils ne peuvent pas oublier Krishna. Comme Radhani et les gopis ont dit à Uddhava, quand il est venu à Vrindavan, ils ont dit, le seul problème, tu sais, nous, ton ami, on voudrait bien l'oublier, il n'y a pas de problème. Juste on l'oublie, puis tout ça c'est fini. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à l'oublier. Ils ne peuvent pas, c'est leur nature intrinsèque. Elles ne peuvent pas oublier Krishna. Nanda Maharaj, pareil. Donc Krishna a dit à Uddhava, il faut que tu ailles à Vrindavan pour apporter un message, pour pacifier les habitants de Vraj. Et en même temps, pacifier aussi mon cœur. Parce que Krishna, il vit la même chose à Vraj. Il vit la même déchirure. On voit Krishna, quand il est là, il dit la Bhagavad Gita à Arjuna. C'est un sacré acteur quand même, Krishna. Il peut faire style comme si de rien n'était. Tout va bien, non? Je suis le Seigneur suprême de tous les univers. Rien n'est supérieur à moi. Mais à l'intérieur de lui-même, son cœur est déchiré. Même quand il énonce la Bhagavad Gita. À chaque instant. Mais Krishna cache ça tout le temps.
En dehors de Vraj, c'est caché. Et les gens connaissent Krishna, ils connaissent le Seigneur suprême, mais ils ne peuvent pas comprendre cet aspect-là de sa personnalité, puisqu'il la cache quand il est en dehors de Vraj. À part quelques personnes comme Uddhava et d'autres personnes qui viennent de Vraj, comme Rohini ou Balaram, eux peuvent comprendre l'état intérieur de Krishna, même quand ils sont à Mathura ou à Dwarka, mais la plupart ne peuvent pas comprendre. Ils voient Krishna comme s'il était Krishna, mais sans cet aspect en lui. Donc finalement, à quel point ils connaissent vraiment Krishna? C'est comme si tu connais quelqu'un, mais tu ne connais pas ce qu'il y a au plus profond de cette personne-là. Tu connais un petit peu. Il y a différentes manière de connaître une personne. Donc, à Dwarka, les associés de Krishna, ils connaissent Krishna. À Mathura, les associés de Krishna, ils connaissent mieux Krishna. Et à Vrindavan, les associés de Krishna, ils connaissent vraiment Krishna. Sridhar Maharaj, il va même jusqu'au point de dire que Krishna est vraiment complet, complet, seulement quand il est à côté de Radharani. Sinon, il dit, c'est une émanation de Krishna. Il dit, quand il n'est pas à côté de Radharani, c'est une émanation de Krishna. C'était la vision de Sridhar Maharaj. Sridhar Maharaj était quelqu'un qui aimait aller à l'extrême des choses. Et donc il a envoyé Uddhava. Il a pris la main d'Uddhava entre ses deux mains. Krishna a pris la main d'Uddhava entre ses deux mains. Et il lui a dit, s'il te plaît, va à Vraj. C'est un livre que Rupa Goswami a écrit qui s'appelle Uddhava Sandesh. Le messager Uddhava. Il a dit, s'il te plaît, va. Sandesh veut dire le message d'Uddhava. Il a dit, s'il te plaît, va à Vraj. Et comme ça, soulage mon cœur, soulage la déchirure qu'il y a au fond de moi. On pourrait se dire, mais pourquoi il n'y va pas tout simplement lui? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je ne vais pas rentrer là dans ce sujet-là, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en cause dans cette décision. Pourquoi Krishna n'est pas retourné à Vrindavan? Il est retourné plus tard, mais là, il n'était encore jamais retourné. Or, pourtant, il avait dit qu'il reviendrait. Pourtant, il n'était toujours pas retourné. Mais il y a plein de raisons. Et on ne peut pas inculper, c'est ça qu'on dit. On ne peut pas vraiment inculper Krishna. Lorsqu'on connaît toutes les raisons, on comprendra que finalement, ce qu'a fait Krishna était malgré tout, même si ça avait l'air d'être la pire des choses, c'était quand même la meilleure des choses. Mais il y a plein d'intricacités, c'est ça, intricacité. Mais là, donc il a envoyé un. On ne dit pas en français? C'est de l'anglais. Intricacité. Des fois, je me trompe. Des fois, il y a un mot, j'hésite. Est-ce que ça existe vraiment en français ou pas? Mais de choses, de causes, mélangées les unes dans les autres et complexes. On pourrait défendre pourquoi Krishna n'est pas retourné à Vrindavan. Une des raisons, nos acharyas expliquent, c'est parce que Krishna, après avoir passé tout ce temps à Vrindavan, il a réalisé une chose. Il a réalisé, quand je suis avec les Vrajvasis, même quand je suis avec eux, ils souffrent d'être séparés de moi. Il a remarqué ça. On appelle Prema Vaichitya. Parce qu'ils vivent un tellement haut niveau d'amour pour Krishna, que même quand Krishna est là, ils expérimentent le fait que Krishna va partir dans quelques instants. Donc ils vivent la rencontre de Krishna comme dans la séparation quand même. Et ça, c'était trop dur pour Krishna à voir. Pour lui, c'était trop dur à supporter aussi, parce que finalement, c'était très ambigu. Donc il a décidé de partir, au moins les choses seraient claires. Et Krishna percevait que finalement, quand il n'était pas là, il souffrait moins que quand il était là. Certains acharyas expliquent ça. Qu'en fait, quand Krishna est là,
la séparation devient plus forte encore que quand il n'est pas là. Difficile à comprendre prema tant qu'on n'a pas vécu prema. Mais prema est d'une telle intensité que c'est possible d'être avec Krishna et cependant de simplement être déchiré par l'idée que Krishna va pouvoir partir. À la fois, ce n'est pas possible parce que c'est tellement sublime d'être avec Krishna, mais en même temps, quand on vit une expérience si sublime que ça, c'est impossible de ne pas penser au fait qu'elle va s'arrêter. Tu vois, c'est comme... Tu ne sais pas si tu dois rire ou si tu dois pleurer. Tu es entre les deux. C'est comme ça. Krishna, c'est la nature de Krishna est comme ça. Il y a toutes les choses et leurs contraires qui sont présentes en Krishna. Donc, dans la présence de Krishna, il y a aussi la séparation de Krishna. C'est indissociable. Dans la séparation de Krishna, il y a aussi la présence de Krishna. Donc, Krishna a réfléchi pendant très longtemps. On pourrait dire sans doute, il continue encore aujourd'hui à réfléchir. Est-ce que finalement, mes associés, ils sont plus proches de moi quand je suis là ou quand je ne suis pas là? C'est un questionnement éternel. Mais c'est une des raisons pour lesquelles Krishna a choisi finalement de partir à Mathura, pour voir si peut-être que ça allait être plus facile à vivre comme ça. Parce que l'autre expérience qu'il connaissait, c'était devenu trop... J'allais dire insupportable, mais on ne peut pas dire insupportable non plus. Ou sinon, il faudrait dire merveilleusement insupportable. Ou insupportablement merveilleux. C'est comme ça. Krishna, il est comme ça. Il est insupportablement merveilleux. Et à la fois, merveilleusement insupportable. Tu ne peux pas être avec lui, tu ne peux pas être séparé de lui. C'est très ambigu comme expérience, Krishna, parce qu'il est l'absolu. Et il est trop, comme on dit dans notre, c'est trop beau pour être vrai. Mais ça, c'est exactement Krishna. Krishna, il est trop beau pour être vrai. Donc même quand tu es avec lui, tu ne peux pas croire que tu es vraiment avec lui. Tu ne peux même pas comprendre que tu es vraiment avec lui. Radharani, quand elle est avec Krishna, elle ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Tu vois, ça, c'est des expériences qu'on a dans la vie de tous les jours. Ne pas comprendre ce qui t'arrive. Des fois, quand quelque chose est trop intense, on dit, ouais, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends plus rien, là. Mais c'est comme ça. Avec Krishna, tu ne comprends plus rien. Tu ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Et c'est trop beau pour être vrai. Il y a tout ça qui vient, qui converge en même temps. Donc, c'est une expérience très bouleversante. Donc Krishna, il fallait qu'il... Ok, il était venu à Mathura maintenant. Maintenant, il se retrouve coincé dans l'autre... l'autre côté du miroir. Coincé de l'autre côté du miroir. Il a été voir de l'autre côté du miroir pour voir si peut-être il pourrait avoir une solution de l'autre côté du miroir, de la rencontre et de la séparation. Il a traversé le miroir. Maintenant, il se retrouve à Mathura. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. C'est la même chose. Exactement la même chose. Sous l'inverse, mais exactement la même chose. Donc, il faut qu'il cherche une autre solution. Il dit, Uddhava, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Va à Vrindavan. Et porte-leur mon message. Peut-être que ça va faire quelque chose. Donc il place tout son espoir dans Uddhava. Krishna est comme ça. Il est capable de placer tout son espoir dans une personne. Et Uddhava a senti ça. Krishna a mis tout son espoir en lui. Uddhava se trouve en face de Krishna qui n'est pas là. En même temps il est là, mais Krishna lui dit qu'il n'est pas là. Maintenant il faut qu'il sauve la vie de Krishna qui n'est pas là, mais qu'il lui dit de sauver sa vie puisque sa vie est autre part. Et là, Uddhava, ça y est, il s'est fait prendre dans le paradoxe de Vraj. À partir de ce moment-là, Krishna, Uddhava ne savait plus où il était non plus. Et qu'est-ce qu'il fait dans toute cette histoire-là?
Mais Krishna lui a dit, va à Vraj. La nature d'Uddhava, il est très obéissant. Donc il est parti pour Vraj. Mais il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Il allait maintenant entrer dans la même ambiguïté que Krishna. Tu sais, on dit quand quelqu'un est en train de se noyer, si tu essaies de le sauver, il va t'emporter dans la noyade avec lui. De la même manière, Krishna était en train de se noyer dans l'océan de la séparation des Vrajvasi. Il a appelé Uddhava à l'aide. Et en appelant Uddhava à l'aide, en fait, il a emporté Uddhava dans la noyade. Et Uddhava, ne se souciant pas, enfin, quand même, déjà un petit peu perplexe, mais il savait déjà plus quoi faire. Il était déjà perdu, Uddhava. Donc il a été à Vraj, Krishna lui a dit. Les paroles de Krishna sont ensorcelantes, par nature. Lorsqu'il te demande quelque chose, tu ne peux pas vraiment aller contre, même si tout te fait comprendre qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'il t'a dit de faire. Mais c'est comme ça. Comme quand Krishna a dit à Ananda Maharaj, pourquoi tu adores Indra? Ça ne sert à rien. Prabhupada dit, en fait, Ananda Maharaj, ce n'est pas qu'il écoutait vraiment les arguments de Krishna, mais les habitants de Vraj, quand Krishna leur dit quelque chose, ils ne peuvent pas vraiment aller contre. Donc, s'il a fait tout ce que lui a dit Krishna, ce n'est pas parce qu'il a été convaincu philosophiquement par ce que lui a dit Krishna. C'est juste parce que, comment tu vas dire non à Krishna? Comment tu peux dire non à Krishna? Même si tu lui dis non, il va sourire et après tu vas être obligé de lui dire oui. Non? C'est comme ça. Des fois, Mère Yashoda essaie de gronder Krishna. Après, il crée toute une situation à la fin. Elle est obligée de lui dire OK. C'est la nature de Krishna. Il est irrésistible. Donc, il a envoyé Uddhava à Vraj avec ce message impossible. Il avait une mission impossible. Consoler les Vrajvasi. En leur disant que ne vous inquiétez pas, tout va très 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 bien aller. Krishna n'est pas là. Mais c'est pas grave. Tout va très 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 bien aller. C'était la mission. Il va bientôt revenir. Mais bon, il n'est pas là, mais il va bientôt revenir. Ne vous inquiétez pas, vous lui êtes très cher. Voilà la mission qu'il devait amener. Il a expliqué d'abord, il s'est dit, bon, pour commencer, je vais essayer. On va commencer par Ananda et Yashoda. Il a été au palais de Nanda Yashoda, et d'abord il a eu les rencontres, tu vois, comment on peut dire, pas solennel, mais de politesse. Et ensuite Uddhava s'est dit, bon, maintenant il faut bien que j'essaye d'expliquer. Et il a commencé à expliquer. Mais il s'est emmêlé les pinceaux complètement. Il s'est perdu dans le sentiment de Nanda Yashoda. Quand il expliquait, il regardait le visage de Nanda Yashoda, leurs yeux, et il s'est fait engloutir dans leur cœur. Il est devenu perdu, Uddhava, il ne savait plus quoi dire à Nanda Yashoda. Il ne pouvait plus rien leur dire parce que c'était tellement absurde le message qu'il devait venir leur dire. C'était tellement absurde. Nanda Maharaj a dit, est-ce que Krishna parfois... Je veux dire, est-ce que juste parfois il se souvient de ses vaches? Est-ce qu'il se souvient de ses amis? Est-ce qu'il se souvient de la terre de Vraj? Est-ce qu'il se souvient de sa mère? Il n'a pas parlé de lui. Hein. C'est, les Vaishnavs ne parlent jamais de... Il a demandé, est-ce qu'il se souvient? Uddhava dit, oui, il pense. Il pense, il mentionne souvent ton nom, non, Madame Maharaj, il pense. Tu lui es très cher. Madame Maharaj me dit, mais si je lui suis très cher, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Tu comprends ça? Ça colle pas. Oui, t'inquiète pas. Tu es très très cher, il pense beaucoup à toi, il aimerait tellement. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il ne revient pas alors? Tu vois, c'était juste complètement. Krishna a lancé Uddhava dans une histoire sans queue ni tête, on peut le dire. Absolument sans queue ni tête. D'essayer de défendre quelque chose qui était complètement indéfendable. Et finalement, Uddhava s'est perdu dans l'histoire. Uddhava est devenu complètement perdu. Quand il est revenu à Mathura, c'était plus le même Uddhava.
Il était fini. Il était maintenant un deuxième Krishna, comme Krishna. Il était. Ok, je m'arrête parce que le temps passe, mais c'est une histoire trop longue de toute façon pour être racontée. Mais disons, si on l'effleure un peu, déjà, c'est dangereux aussi. Hein? C'est dangereux. Jai Gantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. La dangereuse histoire de Krishna.